Bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour l'épisode 25 de notre Let's Play sur Pokémon Écarlate. On tape le 25e épisode, c'est-à-dire qu'on a quand même bien entamé le jeu. Et on est encore loin d'avoir fini, donc ça risque d'être mon LP Pokémon le plus long, en dépassant Pokémon Legend Arceus avec ses 52 épisodes. Mais ça me dérange pas, oups, pardon madame, parce que j'aime beaucoup ce jeu, donc ça me dérange pas qu'il soit le Let's Play Pokémon le plus long. Et puis ça part dans cette optique-là, les jeux Pokémon, où moi, ça me fait plaisir, parce que j'adore ces jeux-là. Bref, sur ce, la zone sud, je l'ai déjà explorée, donc pourquoi je me dirige peut-être plutôt me TP. Ouais, ça sert à rien que j'aille ici, parce que j'ai quand même globalement fait tout ça. On a exploré ça dans le post-game, moi, sur ce, je vais me TP ici, et on va escalader le mont Nappé. Je sais pas où je vais aller, mais je vais y aller. Peut-être se choper encore un badge parce que le dominant est encore assez loin. Faisons un point carte. C'est trop dézoomé là. Hop. Ouais, je vais monter ça. On pourrait essayer de l'affronter lui. Ou elle. Là, il y a un truc bizarre. Comme ça, on pourra descendre sur la casserole. Et après, t'as elle. Je sais pas, on va se guider. D'abord, on va monter le mont Nappé. Et puis, on improvisera. Donc, objectif. Suivre la route. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va pas trop réfléchir, on va aller se paumer un petit peu. Voilà, ce sera un épisode d'exploration. Et puis tant mieux si on peut trouver des nouvelles zones intéressantes. Et faire quelques captures aussi sympathiques. Déjà je veux une source d'eau là, ça m'intrigue un petit peu. J'aimerais bien voir ce qu'il y a. Aïe. Ouais, tout ça je l'ai déjà capturé. Là il y a un chemin. Vas-y, on va le suivre. Il y a un dresseur. On va savoir tout de suite si on est au bon niveau ou s'il faut pas aller ici. On va mettre Arcana. Excusez-moi, connaîtriez-vous l'adresse de la team Poison, de la team Star par hasard? Alors, Harold le livreur va se battre. Il a un béquipant. Un bon mélange pour mon arcane, ça. Il vole haut. Ouais, il est niveau 27, donc ça va, on gère. Morsure. Bon, ça va, ça. Encore morsure. Ah, il fait son abri. Je vais peut-être faire une vitesse extrême pour le dépasser et le mettre KO. Allez. Voilà. On n'en parle plus. Et j'entends un mordu d'or. Il doit en avoir sûrement un quelque part là. Ou pas. Ah, dans le buisson. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a par là.
Salut Arnotaku, comment tu vas? Toi, je t'ai déjà affronté. Sur ce point d'eau, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits Pokémon? Je vois un Insolourdeau d'eau. Et je vois rien de plus. Donc, hop, juste prendre ça. Ah, je croyais que c'était une Pokéball, mince. Et c'est un Zorua. Ouais, bah écoutez. Tant qu'on est là. Hop, Rapid Ball. Et c'est capturé. Voilà, toujours plus d'XP. Peut-être faire aller le mode Let's Go. Enfin, les combats, ça ira plus vite. Pour des Pokémon qu'on a déjà vu comme ça. Apitrini, je l'ai pas vu encore, donc. Hop. On peut le capturer. Un coup de Rapid Ball. Ah, facile. Apitrini, le Pokémon mini-abeille type insecte vol. À la nuit tombée, les Apitrini s'agglutinent par grappes de sang pour dormir. Hop là, un Pokémon supplémentaire. Oh, il y a un Mimiki. Alors ça, je l'ai pas encore, donc on va le capturer. Allez, Fautrimousse. Et là, on va faire une étincelle. En espérant ne pas le mettre KO. Quoique, je pense qu'il est pas trop costaud, Mimiki, donc j'ai pas de le défoncer. On essaie quand même. Mince, j'en étais sûr. Je suis un peu dégoûté, hein. Et Mescarde va prendre Câlinerie. Ouais. À la place de Tronche. Ah mince. Ah, je suis deg pour. Pour Mimiki. Oh, je fais une petite pierre plante. Ça par contre c'est bueno. Et là, rien de ouf, hein, des froids-groins. Un autre Mimiki. Hop, que je capture. Allez, Fautrimousse. Il est pas mal le Mimiki. Je pense que dans un de mes LP, un jour je le mettrai dans mon équipe. Peut-être sur Soleil et Lune. T'es rendu où dans le jeu? Je suis. Comment te dire ça? Et j'ai 6 badges. 6 badges d'arène. 4 badges de dominant. Et 3 badges de l'objectif Stardust. Voilà, comme ça je pense que ça te donne une idée plutôt claire de voir ce que j'en suis dans le jeu. Donc j'en suis. Je suis bien avancé, mais il reste encore pas mal de taf à faire. Et au niveau des Pokémon, j'en ai capturé une petite centaine. Mimiki, le Pokémon fantomasque type spectre fée. Il vit dans les lieux sombres à l'abri du soleil et lorsqu'il se montre, il dissimule tout son corps sous un déguisement qui rappelle Pikachu. Il préfère un Mimiki régional qui s'inspire d'un autre Pokémon, ça pourrait être drôle. Genre un Mimiki qui se déguise en Evoli. Je suis sûr un jour ça se fera. Pas mal, ça avance bien. Oui, t'as vu?
on a de bonnes progressions. Et puis 121 Pokémon capturés. Donc on a quand même fait un bon quart de jeu. D'ailleurs, ça me fait penser que si je fais ça, voilà, je peux récupérer des récompenses. Pas mal de récompenses. Oh, vraiment pas mal de récompenses. Et après, ce sera une pierre nuit. On est pas mal du tout. Et puis de toute façon... Oh, c'est quoi ce chemin? Ah, mais ça, je le connais, non? Attendez. Ouais, je retourne ici. C'est pas là que je veux aller, moi. Je voudrais aller à la limite vers le nord. Vers le post-game, on aura un objectif complétion du Pokédex. Qui va aller très vite, hein, parce qu'il faudra faire juste beaucoup d'évolutions. Le Tac-Tac-Tara Crystal, c'est pas trop intéressant, donc on va juste s'en aller. Et visiblement, je peux pas aller ici, hein. Il faudrait que je puisse escalader. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas, donc... on va pas tant en retraite, on va essayer de grimper le mont Nappé. Non, lui, je l'ai déjà affronté, ça sert à rien. Hop, je cache les PL. Tout ça, c'est déjà capturé. Et ouais, donc c'est la base de la Team Star, donc on peut s'en aller. Allez hop. On va se rendre au mont Nappé. Allez. On va pouvoir se lancer dans l'ascension du mont Nappé. Alors, je sais pas du tout où je vais arriver. Vers Mesclamora. Non, moi je vais pas aller à Mesclamora. Ah, ok. J'aurais peut-être dû prendre ce chemin alors la dernière fois. Moi j'ai fait tout le l'ascension là. Ah, des fois je fais nimp. Faudrait que je suive un peu plus la carte et les panneaux. Je te suggère celle de glace en premier, c'est un gratuit. Ah ouais? Bah écoute, on va voir ça. Hein. Là on n'est pas encore arrivé de toute façon. Là ça va être plus une phase d'exploration. Et puis on verra ce qu'on peut faire après. Peut-être que j'entraîne mes Pokémon aussi, donc si je vois des dresseurs, j'irai les affronter. Parce que je sens quand même que je manque un petit peu de level. Non! Je peux pas grimper? Si, c'est bon. Hop. Aïe. Là, je saute. Ça passe pas. Si, ça passe, ça passe, ça passe. Là. Y a un chemin ici. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Regardez comment je glitch le jeu. Et là. Hop là. C'était absolument pas le chemin qu'il fallait emprunter, mais je l'ai emprunté. Je vais peut-être y aller en face. Danse flamme, c'est pas ouf. Là il y a des chevaux, mais il y a un dresseur qu'on va aller affronter. Et après on va monter sa petite pente enneigée. Et je vois la ville déjà. Is de gros, c'est très utile ici. Tu peux pas grimper? Non, pour l'instant j'ai que. Je peux que voler. Mon tissu à 10 peu me protège du froid. Bon, ça sera pour le dernier dominant, la capacité d'escalade. Oh, Capturne. J'adore ce Pokémon. Je vais commencer avec une étincelle. Ouais, ça fait pas mal. Ça, je le tank. Morsure. Et là, étincelle. Alors, un trio pico. On va changer de Pokémon. Et on va mettre...
Arcanin, c'est pas un mauvais plan. C'est un peu un mauvais plan, donc on va mettre Palmaval. Je joue pas beaucoup avec Palmaval. Oui, j'ai Discord d'Arnotaku. Le lien est dans la description. Alors, on va commencer avec Acrobatie. Ok. Ah, il le fait trois fois. L'animation est plutôt stylée pour du Pokémon. Hop, il est KO. Bon, c'était plutôt easy. Donc ça me rassure, on n'est pas encore over level. Je vais juste en profiter pour... Déjà le tabasser lui là-bas. Allez. Paf. De l'XP. Et là... Ah, c'est pas ce que je voulais faire mais... Ça fait plaisir. Oh, pas mal de ces lutins. Voilà, fais la bagarre pour Marmotte. Je te laisse te débrouiller. Il fait le taf. Ça le fait level up. C'est tout. Non, voilà, encore un petit combat. Allez, mets le KO sur Marcel. Yeah. Allez, on monte. Hop. Tiens, lui, je l'ai pas capturé. Rapid Ball. Voilà, on complète un petit peu le Pokédex aussi, on en profite. Hein. Vivaldin, le Pokémon saison type normal plante. L'odeur corporelle des Vivaldins varie selon la saison. Mais lorsqu'ils prennent leur forme hiver, elle est presque imperceptible. Et hop, on met en boîte PC. Le Aidin, je veux bien le capturer aussi. Comme ça me fera deux Pokémon pour le prix d'un. Attendez. Oh non. J'ai cru qu'il était shiny pendant 2 secondes. Parce que j'avais pas souvenir qu'un frissonni soit bleu foncé comme ça. Du coup j'y ai cru. Je suis un peu déçu. Mais bon. Pokéball. Ah, il se laisse pas faire. T'es que au 6ème badge? Bah ouais. Je prends mon temps. Hein. Je prends mon temps. Je profite du jeu. Yep, Frissonnier est capturé. Frissonnier, le Pokémon vert type glace insecte, il se nourrit de la neige qu'il accumule au sol. Il la préfère fraîche. Il va jusqu'au sommet des montagnes en mangeant de la neige sur son chemin. En seconde, je crois que c'était un shiny, j'étais un peu triste. Je me suis dit, oh non, il aurait pu être trop bien. Oula, il m'attaque lui. Il est fou. Allez, Rapid Ball. Ah, il se laisse pas faire. Ok. Quatrimousse. Voilà. Bon, allez, mes KO pour Marmotte, mais c'est pas grave. Je vais mettre... Borgelina. C'est quoi ta team surpuissante? Pour l'instant c'est Forgelina, Arcanin, Mascarade, Infect, Pomarmotte et Palmaval. Après ça risque de changer encore un tout petit peu, notamment au niveau de Infect et Arcanin.
Mais là, on commence à avoir un bout de team définitive. Allez, lumineux canon. Et là, je pense qu'on peut essayer de le capturer. Allez, hyperbole. C'est bon. Ouais, mais je l'aime pas trop ce Pokémon-là, Warnis, donc je vais pas le prendre. Sauf quand je devrais compléter le Pokédex, mais pour l'instant, il m'intéresse pas. Aiden, le Pokémon de saison, type normal plante, on dit que quand il prend cette forme, Aiden est docile et facile à apprivoiser. C'est le moment idéal pour en faire son partenaire. C'est pas mal d'avoir changé leur pelage en fonction de la zone où ils sont. Parce qu'à l'époque c'était avec les saisons, mais vu qu'il n'y avait plus de saison, bah il n'y avait plus de changement de forme. Et là au moins on peut toujours avoir les différentes formes d'Aiden. Hop, je vais aller voir les raids à cristaux pour voir s'il y a un truc intéressant. Ok, pourquoi pas. Vu que je l'ai pas encore capturé, elle. On va en profiter. Oh ! Ah, mais par contre, c'est une vitesse. Tu peux changer les types de terra cristal avec tes cristaux. Ah, bah écoute, je m'y pencherai. J'irai voir ça. Et non, je sais pas encore qui c'est Cassiope. Mais je veux pas que tu me spoil, Arnaud. Bon, bah on va doser. Tunnel. Il est assez au niveau, hein, Clopsydre. Niveau 45. Voilà. Là, hop, ça se casse. Et on capture. J'aurais bien aimé faire une fraude frimousse, mais je pense que ça met KO. Allez, hyperbole. Et il s'est capturé. Clopsydra, je crois que c'est l'évolution de Flotillon. Je commence à retenir un peu les noms des Pokémon. Clopsydra, le Pokémon autruche type Psy. Je pensais qu'il était type Psy vol. Ok. Ce Pokémon immobilise ses adversaires grâce à l'énergie psychique qui émane de ses grands yeux. Il est beaucoup plus violent qu'il en a l'air. Ah bah j'ai vu ça, il m'a foncé dessus à une vitesse. Pas de nom. Hop, boîte PC. Il fait quand même 1m90 ce Pokémon, il est assez grand. Oh, des fampis. Un Pyroli. Hop, on va le capturer. Je me demande si tu vas réussir les examens dans l'académie. Bah écoute, je testerai ça je ne sais pas quand, mais on verra. Hein. Allez hop, Rapid Ball. Ah, il se laisse pas faire. Je trouve que c'est le meilleur jeu de la saga. Toute la saga font confondu. Ben de ce que je joue, pour l'instant, niveau gameplay, c'est un de mes préférés. Après, on verra une fois le jeu fini. Mais déjà, je suis quand même confiant parce que Legend Arceus, je l'ai adoré. Et c'est un de mes jeux préférés de la saga. Et vu que lui, ben, il a un peu la même vibe. Même s'il y a des mécaniques qui sont pas là, genre la capture dynamique et les esquives. Franchement, il part bien. Et j'espère que la 10G sera un mélange de ce jeu-là et de Legend Arceus. Avec des plus beaux graphismes. Et pourquoi pas sur une nouvelle console, ça serait bien.
Allez, morsure. Voilà, je pourrais le capturer. C'est celui avec la meilleure fin en tout cas. Bah écoute, j'ai très hâte de voir ça. Parce que depuis le temps qu'on me dit que la fin est trop bien, ben je suis bien curieux de voir ça. Parce que ben je sais pas ce qui fait que tout le monde dise ça comme ça. Après, le gros défaut du jeu, c'est sa technique, hein. Les graphismes et le fait que ça lag beaucoup, c'est dommage, ça gâche tout. Mais bon, on croise les doigts parce que là, ça part dans une très bonne direction, Pokémon. Ça commence à se réinventer un peu. Bah voilà, Pirouli est capturé, on a galéré un petit peu quand même. Pirouli, le Pokémon Flamme, sa glande enflammée chauffe l'air qui l'inspire. Il exhale ensuite sous forme de flamme atteignant les 1700 degrés. La Ligue m'a déçu. Ouais, ce qui paraît par contre, la Ligue est vraiment très facile. Plus facile encore que celle de Tarak. Hop, je vais mettre pas ma val en premier rang, je vais de l'utiliser un petit peu. Alors, on va continuer notre ascension, on va affronter ce petit dresseur qui est là. Et dès qu'on sera dans la ville, on s'arrêtera là. Qu'est-ce que l'art? Oula! Très bonne question. Qu'est-ce que l'art au final? Je ne suis plus sûr de savoir. Yasmina l'artiste peut se battre. Et elle envoie un florge. Un florge blanc. Oh, c'est étonnant, j'en ai jamais vu. Et il est niveau 42. On va commencer avec une acrobatie. Qui fait mal. Elle met le champ brumeux. Alisma, elle est stylée. Ça va, visuellement elle est pas trop mal, mais du coup c'est un peu triste qu'elle ait pas de la puissance qui va avec. Allop, Florge KO. Par contre j'ai un angle un peu dégueulasse. Dentikris, on va switch, on va mettre Pomarmotte. Parce que je crois qu'il est type Opsy Dentikris. Ou type Ophé ou un truc comme ça. Le petit Pietassé là, il est trop content de voir le combat. Allez, étincelle. C'est ce Pokémon immonde. Comme ça on n'en parle plus. Le conseil 4 est l'un des pires en termes de dresseur. À ce point-là, j'attends de voir ça. Angoliath, on va mettre Forgelina. Bon, bah ça, on se sort plutôt bien face à elle. Et là, Marteau Mastoc. Comme ça, on fait bien mal dès le début. En plus, qu'il se setup, c'est un peu dangereux. Et ça one shot. Bon, et bien en tout cas, ça m'a fait bien level up. Et Pomarmotte va prendre close combat. C'est avec plaisir. Peut-être à la place de tunnel, parce que tunnel c'est pas ouf. Ouais, on va mettre close combat. Morsure, ça me sert en fait, parce que le type ténèbre il est balèze, le type sol, voilà quoi, on s'en fiche un peu, et au pire, j'ai Infect, j'ai d'autres Pokémon qui pourront apprendre séisme.
Et non, je veux pas de spoil, Warnis. Les capacités que tu as utilisées, c'était de l'art. Hop, je récupère ça. Et on monte. Ah, ça commence à bien souffler, donc je vais essayer de rentrer vite dans la ville. Oh, Mordudor. Vers l'arène du monde à pied. Il n'y a pas une petite... Il y a un petit centre Pokémon, une petite ville avant, parce que je peux tenir longtemps, moi, avec ça. Regardez, on dirait qu'il est shiny, lui. C'est trop bizarre. Ça me perturbe. Oh! Alors, toi? J'adore mon Martique. On va le capturer. Je trouve que c'est un Pokémon qui est super beau. Ah, batterie faible. Momartic, le Pokémon enneigement type glace spectre. C'est le seul qui est dans ce type en plus, je crois. Il congèle les êtres humains et les Pokémon qui lui plaisent. Il les emmène ensuite dans sa tanière pour les admirer à loisir. Allez, on avance, il y a du farfuré qu'on capturera plus tard. Et je suis bientôt à l'arène. Oula, attention. Ça devient un peu galère de monter, donc je vais prendre Coraidon. Et puis... Il n'y a rien d'autre de plus que des Pokémon qu'on a déjà vus. Pas une grosse diversité par rapport à d'habitude. Il y a un Polagriff. Et des Blizzarwa. Un petit Seracrawl. Il y a quand même du Pokémon bien sympathique ici. Et là, bah... Ouais, où je veux. Juste avec un bon gros saut et l'envol. Ça va être pas mal, ça, quand on va devoir quitter la zone. Oh. Fais gaffe. Oui, bah attendez, d'abord je vais me soigner parce que là je commence à plus avoir de vie. Hop. Alors le centre Pokémon, il est où? Il est là. Hop. Par contre elle a pas froid elle en t-shirt. La moins simple c'est le type psy. Oh bah je vais rouler dessus. Par contre j'ai galéré un peu contre Okuba et contre les premières. Genre Hera, je crois. Ou... C'est du type insecte. Bon. Eh bien, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, on ira affronter le champion qui est juste ici. D'après le chat, c'est un champion qui est assez simple à battre. Donc, il y a moyen qu'on lui roule dessus. Je suis curieux de voir ça. Sur ce, je vous laisse là. Et à très bientôt.